Ça va bien. Ça va et toi? Oui. Ah, le soleil est de retour. Ah, ça prend mes lunettes, je suis incapable de regarder mes yeux. Ça tourne, Harry. Ah, oh oh. Salut les ananas. Aujourd'hui, on vous retrouve à Freya. C'est le premier restaurant entièrement vegan et zero waste de la ville. Donc on était assez curieuse d'aller voir ça. Voir à quoi ça ressemble un resto zero waste. C'est le jour de l'ouverture. On va aller voir comment ça se passe. Bon, le pain levain maison. La française en moi est satisfaite. Ouh, c'est chaud. Histoire du four, le four est juste là. On vous amènera visiter après. Une salade d'herbes sauvages. Un peu comme nous, quoi. C'est un millefeuille de pommes de terre. Ok, on va y arriver. On ne parle pas la bouche pleine. Honnêtement, moi ça me fait penser à la cuisine très très française. On dirait les pommes de terre sont coupées à la mandoline ultra fine. Et du coup, c'est comme un petit millefeuille de pommes de terre. Ça me fait penser à vraiment un gratin dauphinois. Avec un genre de ragoût de champignons, c'est hyper bon. Un petit bouillon, c'est. Et je pense des tagliatelles crues d'un légume d'hiver de type pané ou autre. Voilà, dans ce genre-là. C'est hyper bon, en fait j'ai l'impression de manger ce que je mangeais dans mon enfance en hiver. Donc c'est assez chouette, sachant que je ne mange jamais ça à Berlin. Alors qu'est-ce que tu as pris, Harry? J'ai pris le ragoût de lentilles. Puis ça vient avec des légumes qui me semblent grillés, rôtis. Et une espèce de petite purée verte qui est vraiment délicieuse, mais non identifiée. Vraiment bon. Ok. Un peu de betterave, encore des herbes. Super bon. Tout est de saison, tout est local, tout est bio. C'est très cuisine du marché. Une entrée et manger deux plats, c'était on est trop pleine, on prend pas de dessert. Donc après on regarde les desserts, on est trop pleine, on prend un dessert à partager et finalement bah voilà, le plan a échoué. David nous montre la machine à compost. What? C'est donc ici que finissent tous les aliments non mangés et tous les déchets qui ne peuvent plus être utilisés en cuisine, donc ni fermentés, ni quoi que ce soit. Tout finit là-dedans.
Alors voilà, on vient de finir notre magnifique déjeuner chez Freya. C'est vraiment différent de ce à quoi je m'attendais. Parce que je m'attendais à typique vegan, des bols, superfoods. Mais non, c'était plutôt de la cuisine bistro, marché, français presque. Super goûteux, tout fait maison, puis avec amour, ça paraît, je trouve. Ouais. Moi aussi j'avais un peu cette idée, ok ça va être zero waste, donc on va manger des trucs avec des noix de cajou trempées, très, pour moi ça serait très orienté cru ou macro. Ouais, on aime la luzerne, il n'y avait pas de luzerne. Mais oui, en fait j'ai retrouvé des saveurs de maraîcher et de cantine bistronomique française. Et c'était hyper agréable parce que j'ai jamais mangé une cuisine comme ça à Berlin en fait. Tout était juste très bien parfumé, c'est que des matières premières, donc des légumes et des fruits bio de la région. Et tout est hyper bien assaisonné quand t'as une cuisine simple et que les assaisonnements sont aussi précis. Je trouve que c'est juste un régal. Donc moi j'ai vraiment adoré, je le recommanderai. Je vous mettrai les infos pour ce resto qui vient d'ouvrir dans Prenzlauer Berg, non, dans Mitte. On est dans Mitte. Ouais, qui est le centre berlinois. J'ai plus de. Oula! Eh bien alors, Harry? Oui? Tu. Enfin, qu'est-ce que tu touches? Non, en fait, ça me rappelle le maïs de ma contrée natale. Ouais.